Bienvenue, bienvenue, bienvenue pour ce Skip the News spécial Noël que vous attendiez. Oh que oui, vous l'attendiez. Qu'est-ce qui a le don de vous agacer au point que vous détestiez tout ce qui s'y rapproche de près ou de loin? Prenez ça et multipliez-le par 1000, 2000, 3000 et vous avez tout l'amour que je porte à Noël. Dashing through the snow. C'est sans doute pour ça que j'adore le Grinch et Jack l'épouvantail dans la première partie du film. Mais je m'en fous car cette année, il n'y aura pas de Noël. En effet, le Père Noël n'est certainement pas celui que vous croyez. A été convoqué le 24 décembre au tribunal de Boston pour avoir eu la main un peu trop baladeuse envers des enfants. C'est d'ailleurs son collègue Elf qui l'a dénoncé à la direction. Oui, vous savez, ces petits trucs tout moches en collant vert, toujours joyeux, là... Ouais, c'est ça, comme Peter Pan. Ouais. Après une audition sans intérêt, il est remis en liberté sous caution. Caution qui payera vite, avec les bénéfices de vos putains de jouets. Et il sera donc convoqué le 24 décembre, ce qui, si tout se passe bien, devra annuler la tournée du 24 au soir. Oh merde! Oh merde! Et là, nombre de personnes seront malheureuses, tandis que moi, je siroterai le nectar de la justice rendue. Et puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Commençons par ce mec qui a vendu ses testicules pour s'acheter une voiture. Faut avoir des couilles pour les vendre. Ce garçon, soucieux de donner un véritable Noël à sa famille et conscient du taux excessivement élevé de la population mondiale, a donc décidé de donner de soi pour la science. Donnez-la au service du Téléthon pour le remplacement des enfants défectueux. Ou donnez-les au comité Miss France afin qu'on en ait une enfin digne de ce nom. Quand Chuck Norris veut une voiture, c'est ses trois couilles qu'il vend, lui. Partons maintenant en Chine, où un nouveau-né décédé à la naissance était sur le point de se faire incinérer quand tout à coup... Ah, le doux bruit d'un enfant qui pleure. Et voilà comment vous gâchez Noël. Vous croyez vous en être débarrassé. Bam! Il revient plus vite qu'il est arrivé. Oh, wow! Ok, on va boire un coup. J'ai l'impression que les Chinois saisissent toujours la moindre opportunité de bouffer n'importe quoi. Je suis désolé madame, j'ai rien pu faire. Bon, le mieux ce serait de le mettre au menu assez vite, hein. On m'a commandé des nems pour ce midi. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Les clients les préfèrent frais, c'est comme ça! Passage. Ne jamais faire de grands repas pour les fêtes de fin d'année, parce que toi, quand t'aimes pas grand-chose, voilà avec quoi tu te retrouves. Moi, vous savez, c'est la période de l'année où j'ai envie de frapper absolument tout le monde. Vous savez, quand tout vous énerve et qu'en plus vous prenez le transport en commun tous les jours, bien un nouveau jeu vient d'être inventé par de jeunes américains appelé le Knockout Game. Prenez une personne totalement au hasard dans la rue, surtout des Pères Noël et des enfants en fait, et mettez-lui avec amour la plus grosse raclée de toute sa vie. Sachez que des vidéos existent sur le net et que je ne vous encourage pas à aller les voir. Quel rapport avec Noël? J'y viens tout de suite. Ah, Noël, ce moment magique où toute la famille se réunit pour fêter la naissance d'un mec dont la plupart n'en ont absolument rien à foutre. Tout le monde est là, sous le sapin, entouré de cadeaux banals que la plupart des enfants dans le monde auront en même temps. Tiens, un appel. Allô? Quoi? Mon mari est à l'hôpital? Quel idiot. Bon, eh bien les cadeaux, ce sera sans lui. Famille ou comment toute la magie de Noël peut disparaître en quelques secondes. Loin de moi l'idée de vous plomber le moral. La prochaine news est adressée aux parents d'adolescentes et oui, il va bien falloir les gâter aussi. Un pot de Nutella ferait très bien l'affaire, mais au cas où, je suppose qu'elle vous a déjà parlé d'avoir un piercing accepté. Parce qu'un piercing ça coûte quoi? Ça coûte 60€, 70€, tout dépend de l'endroit où on le veut. Après, vous pouvez toujours opter pour un cœur en platine incrusté dans le globe oculaire, hein. On dit que les filles n'ont pas de couilles. Et ça, ça reste à prouver. Elles peuvent être à l'intérieur. Eh ouais. L'opération a coûté près de 2000€, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que la mère ait dit oui. En général, les mères sont assez radicales sur ce sujet, quand même. Maman, pourquoi tu veux pas que j'ai un piercing? Quand tu seras plus grande, tu pourras faire tes propres choix, ma chérie. Bon, et quand est-ce que je peux sortir de la chambre?
À tes 21 ans, regarde la Disney, je t'apporte tes cadeaux dans 10 minutes. Mais passons. Un professeur d'un lycée anglais a eu la brillante idée d'exposer tous les objets confisqués dans ses 50 années de carrière dans un musée. Cet homme pourrait se transformer en Père Noël d'un soir, mais non, il nargue tous les enfants du monde entier avec une collection impressionnante de jouets en tout genre. Ce mec a la classe. On peut y voir notamment un pistolet à eau, des figurines, un lance-pierre, des menottes, des cartes, du déo, mais aussi... Comment a-t-il réussi à prendre une Game Boy à un enfant? Non mais moi, si ça m'était arrivé, ça se serait passé comme ça. Rendez-la-moi! Rendez-la-moi! Si ça devait arriver maintenant, bah... ça se passerait plutôt comme ça. C'est toi qui m'as volé mon jouet? Ça me fait penser à ce mec qui, en voulant acheter une Xbox One à son fils, a acheté en fait la photo de la Xbox One. Big... fail. Je vous laisse imaginer la tête que cet homme a eue quand il a reçu et ouvert le paquet. Tout se joue en trois étapes. Ah, dégage, Pikachu! J'ai enfin ma Xbox One. J'ai enfin... Cette légèreté. Eh, Microsoft, ils ont fait des efforts, hein. Quoi ? J'ai acheté une photo ! Il y a quelque chose qui est très à la mode en ce moment sur internet, c'est de filmer le déballage d'un nouvel objet. Ou unboxing pour les connaisseurs. J'ai vraiment besoin de vous expliquer ce qui va suivre. Salut à tous, aujourd'hui je vous présente la nouvelle Xbox One, je viens de l'acheter. Quoi ? Et dans ces moments-là, il n'y a plus qu'une chose qui vous anime. Le meurtre, le meurtre, le meurtre. Oh putain ! Et il semblerait que même ça, vous n'y arriviez pas. Un homme d'une vingtaine d'années a voulu tuer sa petite amie. Et vous savez combien ça coûte en cadeau de Noël ? Hein ? Il s'y est pris en trois fois. D'abord, il a essayé d'empoisonner son chocolat chaud. Mais mec, t'es con ou quoi ? Pas le chocolat chaud ? Bref, elle s'est aperçue qu'il n'était pas d'une belle couleur et que quelque chose flottait à la surface. Il a ensuite essayé de la poignarder pendant qu'elle dormait. Le coup classique! Et là, j'aimerais savoir un truc. Comment tu as pu te louper? À mon avis, il se l'est juste trop joué comme dans les films américains. J'ai passé de si bons moments avec toi. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui n'ai pas réussi à saisir ma chance. Je suis désolé. Allez, ressaisis-toi. Tu dois accomplir ton destin. Chérie, c'est toi ? Mais non, 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 non ! Voyant qu'elle s'est réveillée, il a ensuite voulu l'étrangler. Mais là encore, l'homme est faible, il n'a pas pu aller au bout, rongé par les remords. Et en la laissant partir, il a cru quoi ? Qu'elle allait comprendre et lui pardonner ? Non mais c'est que tu vois, quand on était petit, mon père, il nous battait, il nous étranglait, il nous poignardait et tout, et voilà. On baise ! Je déteste Noël! N'hésitez pas à offrir cette vidéo, hein, ce sera toujours mieux que vos livres pourris, vos packs de parfums pourris et vos chaussettes dégueulasses! Pas besoin de papier cadeau, vous avez juste besoin de ces boutons qui se trouvent en bas de la vidéo. Je ne vais pas avoir ce magnifique décor pendant un moment, à cause de ce que vous savez là. Du coup, je compte faire une petite foire aux questions bien sympathiques d'ici la fin du mois. Alors, allez-y, lâchez vos questions sur mon Twitter, sur mon Facebook, sur mon Ask, sur mon autre mail, sur votre voisine, votre chien, votre cochon d'Inde. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, hein, une bonne année, une joyeuse Pâques, un bon anniversaire et... Ouh, on a vraiment besoin de se justifier pour se bourrer la gueule.